Aujourd'hui, je vous retrouve pour un essai de la fonction Orbite de Pix4D Capture. Donc c'est une nouvelle possibilité de cette application, c'est de paramétrer une mission en orbite autour d'un objet. Donc c'est bien pratique si on veut faire un monument vertical. On va ensemble tester cette nouvelle fonction avec un Phantom 4 Pro afin de faire une captation de l'antenne pour téléphone cellulaire qui est derrière moi. Donc on va faire plusieurs missions à différentes altitudes pour avoir un bon chevauchement des différentes photos. On va ensemble regarder quels sont les paramétrages associés à ce type de mission et puis vous allez voir qu'il y a malheureusement un petit manque dans les paramétrages puisqu'on n'a pas moyen de régler soi-même l'angle de la caméra en tilt. C'est l'application qui décide de l'angle de la caméra et en fait ce qu'on comprend c'est que automatiquement la caméra va viser le centre de l'orbite au pied du monument, plus précisément à l'altitude de décollage du Phantom 4 Pro. Ça c'est un petit bémol sur cette fonction POI puisque on a des photos qui sont très centrées vers le bas de l'édifice et lorsqu'on a comme ici une antenne qui est très verticale, on voit pas les parties hautes sur les photos. Donc ça va obliger à faire en manuel des photos supplémentaires pour bien capter les parties supérieures de l'objet qu'on est en train de capter. Donc on va tout de suite aller dans Pix4D Capture, paramétrer des missions d'orbite autour de cette antenne à différents niveaux, à différentes hauteurs par rapport au sol. Et puis après, on fera en manuel quelques photos supplémentaires pour compléter tout ça. Ensuite, on ira dans un logiciel de traitement qui peut être Photoscan, Pix4D Model, Reality Capture, et on va voir quel résultat on a sur ce type d'objet, puisque une antenne pour téléphone cellulaire, c'est par définition des objets assez complexes à modéliser. Il y a une structure en treillis, il y a beaucoup d'éléments cachés. En plus, aujourd'hui, on est désavantagé parce que on a des passages nuageux et du soleil, donc c'est pas du tout l'idéal pour faire une séance de captation. L'idéal étant d'avoir une couverture nuageuse homogène. Donc je vous retrouve dans l'application Pix4D Capture pour le paramétrage de cette mission. On lance Pix4D Capture et on choisit, donc on va tester la mission circulaire. Voilà. L'orbite qui est proposée, donc c'est ce cercle avec un point de départ qui est le numéro 1, un point d'arrivée qui est le numéro 2, en ayant à l'esprit que cette photo n'est pas exactement calibrée et que l'antenne n'est peut-être pas précisément ici telle que montre la photo, mais peut-être ici. Donc on va se garder quelques marges. Donc on centre notre image sur l'antenne, on va se rapprocher, on va commencer à 50 mètres et on va rentrer maintenant dans les réglages de cette mission. Alors on a deux onglets, normal, advance. La vitesse du drone, on a le choix entre 5 possibilités, slow. Là, on est au milieu, là, on est au 3 quarts, et là, on est au maximum. Alors moi, je vais mettre ici au 3 quarts. Vous verrez qu'il va faire une pause à chaque fois qu'il prend un cliché. L'angle entre les images, on a le choix entre une valeur comprise entre 4 et 20 degrés. Donc 20 degrés, on fait une photo tous les 20 degrés, ce qui veut dire qu'on va faire sur 360 degrés 18 photos. En se mettant à 10 degrés, on va donc faire 36 photos. La balance des blancs, laissons en automatique. Et là, on peut laisser anneau, donc qui n'ignore pas la bonne validation du home point. Je vais faire start. Il est en train de transférer les informations à l'appareil. Voilà, donc là c'est normal, ça prend un petit peu de temps et on peut maintenant faire start. Là il est parti, il s'est mis à 50 mètres d'altitude. Donc là un premier constat, on n'a pas de maîtrise sur l'angle de la caméra, sur l'angle en tilt. Ce que j'observe c'est qu'en fait automatiquement Pix4D Capture va centrer la photo sur le centre de notre orbite au niveau
du point de décollage de l'appareil. Donc là, on va voir que c'est un petit peu dommage qu'on ait cet automatisme, qu'on n'ait pas la main sur l'angle. Donc là, il a bientôt fini la mission. Donc il a terminé, maintenant il va revenir au point home. Donc on va vérifier que tout ça se passe bien. Excellent, excellent, je suis bien à l'aise avec ta job. Coucou. Abby, qu'est-ce que t'as vu là? Bonjour à tous.